Salut à tous, salut à toutes. Salut tout le monde. J'invite personne, les amis. On discute les courses. Obtenir 20 et 24 pour 2024. Quels sont deux chiffres, voire trois chiffres, qui peuvent égaler 20 et 24 2024? On va pouvoir créer des combinaisons. Enfin, on va pouvoir savoir quelle combinaison mettre en avant en 2024. Voilà. Bon, c'est toujours pareil apparemment parce que l'année dernière, de mars à août, on avait la combinaison à 6-2-7 en couplet gagnant placé, voire trio, voire multi, voire 2 sur 4. Sinon, on avait 3-4-5 en simple gagnant placé, ou 10-13 et 6-9 en simple gagnant placé, ou 3-4-5 et 10, 13 et 6, 9 en 2 sur 4 aussi. C'était possible aussi de retrouver comme ça. 3, 4, 5 et 10, 13, 6, 9. Et sinon, on a la combinaison 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. Vient très rarement en couplet gagnant, mais bon. Généralement, ça fait des beaux 2 sur 4, hein, 15, 9, 12, 5. 3, 4, 5 et 10, 13, 6, 9, c'est pareil. C'est des beaux 2 sur 4. Et à 6, 2, 7, généralement des beaux couplets gagnants aussi, ça forme de beaux couplets gagnants. Hier, pas hier, mais l'année dernière, j'avais remarqué justement cette mise en avant de ces combinaisons, de ces numéros, et comment les jouer. J'ai trouvé comment les jouer. Et l'année dernière, je m'étais aperçu de ça de mars à août, au 15 août. Et là, je vois que ça démarre pas en mars, ça démarre en janvier. L'année dernière, j'étais un petit peu en retard quand j'ai signalé ça. Donc, je pense que c'est de janvier au 15 août. C'est possible, hein. Et après le 15 août, on a une autre. Voilà, on a d'autres combinaisons qui forment les arrivées du 15 août au 25-31 décembre. On a à 6 de 4, la combinaison à 6 de 4 ou 5 à 3 As. Enfin, c'est pas qu'on a d'autres combinaisons, c'est à 6 de 4, 5 à 3 As, 8, 3, 7, 9, 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15 rapportent plus du 15 août au 31 décembre et du 31 décembre au 15 août. Il fonctionne mieux, ça paye mieux avec A6, 2, 7 et 3, 4, 5, 10, 13, 6, 9 et 15, 9, 12, 5. Ces quatre combinaisons de décembre au 15 août et du 15 août à décembre, on est plus sur A6, 2, 4, 5, 4, 3, As, 8, 3, 7, 9, 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. C'est ma remarque, hein, c'est ma remarque. Il y a 45 courses proposées par PMU tous les jours, 45 courses. Donc, c'est une remarque que j'ai fait pour déchiffrer les 45 courses. Si t'as pas les moyens de jouer, ne joue pas. Si t'as pas les moyens de jouer, même de bouffer, va pas jouer au PMU. C'est pas bon, ça. Si t'as pas les moyens de bouffer déjà, tout le mois, va pas jouer au PMU, ça sert à rien. Ça va créer une mauvaise ambiance. Laisse le PMU à ceux qui ont les moyens. Moi, j'ai pas les moyens non plus. Si tu t'intéresses au PMU, intéresse-toi justement à créer des combinaisons. T'as pas les moyens de parier, mais tu peux t'intéresser à créer des combinaisons. Tu peux faire des remarques sur les courses à 10 partants, les numéros qui aiment bien se retrouver pour les arrivées des courses à 10 partants. Tu peux faire des remarques comme ça si t'as pas d'argent. Celui-là qui a de l'argent qui peut parier, tant mieux pour lui. Au moins, tu auras fait ce travail pour lui. Voilà. Et si t'as pas les moyens de bouffer, va pas jouer, ça sert à rien. Bon, aujourd'hui, on a quoi là? Après, tu vois, ma remarque, c'est le vendredi égalé 5 le vendredi. Le chiffre intéressant ou la valeur du vendredi, c'est 4, 5, 6. Les chiffres intéressants ou valeurs du vendredi, c'est 4, 5, 6. On sait qu'on a la combinaison à 6, 2, 7 avec le 6. On sait qu'on a 6, 9 et 10, 13 en simple gagnant placé avec le 6. Avec le 5, on sait qu'on a 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Et avec le
4, 5, 6. Avec le 4, on sait qu'on a 3, 4, 5, c'est pareil, on simple gagnant placé. Avec le 6, sinon on a 6, 6, 9 et 10, 13 en simple gagnant placé. Aujourd'hui, les simples gagnants placés, 6, 9 et 10, 13 et 3, 4, 5. Si tu as une course à 11 partants, tu peux jouer 6, 9 et 10, 13. Mais tu ne mets pas le 13. Si tu as une course à 11 partants ou à 10 partants, tu mets 6, 9, 10 en simple gagnant placé. C'est la chance, les gars, c'est la chance. Donc, si il faut avoir les moyens pour tenter la chance. Il faut avoir une belle banque. Hein. Il faut avoir une belle banque pour tenter la chance. Hein. La chance, ça paye pas. Si t'as pas de quoi de manger, là, si tu n'as déjà pas la chance de manger tous les jours, va pas tenter la chance au jeu de hasard, ça sert à rien. Il faut avoir la chance de manger tous les jours. Les jeux de chance, il faut avoir la chance de manger tous les jours. Il faut avoir la chance d'être posé chez toi, d'être calme et tout. Si t'as pas la chance d'être posé, d'être calme, si t'as pas la chance de bouffer tous les jours, va pas tenter les jeux de hasard. Ça sert à rien. Les jeux de chance, les jeux de hasard, il faut déjà avoir un minimum de chance dans la vie pour jouer à ça. Alors, si t'aimes bien les courses de chevaux, tu peux faire comme moi, tu peux déchiffrer les courses comme ça. C'est sympa de déchiffrer les courses. Hein. Tu peux mettre en avant des combinaisons. Celui-là qui a la chance de pouvoir jouer, il peut miser comme ça, à l'aveugle. J'ai des combinaisons pour ces gars-là. J'ai des combinaisons. Je te les donne. Je te les donne gratuitement, tu vois. C'est une analyse sur. J'ai commencé à analyser les courses depuis bien longtemps. Je crois que ça fait 15 ou 20 ans. Là, on a des courses à 12 partants, 8 partants, 12 partants, 16 partants, 10 partants, 18 partants. Bon. On a des courses avec peu de partants ou alors beaucoup de partants. Là. Il y a 20 partants, 18 partants, il y a des courses avec beaucoup de partants. Ou sinon, on a des courses à 13, 14, 15 partants, 12 partants. Ouais, il y a beaucoup de courses aujourd'hui. Hein. On a le quintet à 20h15. À Deauville, il y a 16 partants. C'est du plat, c'est 2500 mètres. Avec le type de. Attends, je vais regarder le. C'est de la PSF. La PSF, c'est comme de l'herbe, mais c'est de l'herbe synthétique, je crois, la PSF, comme terrain. On aime bien des suites de chiffres avec ça. Tu vois, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, on aime bien les suites comme ça. Sur de la PSF. Tu sais ce que c'est, des suites de chiffres. Après, il y a 16 partants, tu vois, la suite de chiffres, ça peut être 15, 16, As, 2, 3, ou même si tu sautes un numéro, tu fais 15, 16, 2, 3, les trucs comme ça. On a le 4 en favori, Pasquier, avec une cote de 3,7. Uzel, sur Uzel, le cheval. 3,7, donc on est 16, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Là, on aura le 10. On a 3, 4, 5, 10, déjà de côté, comme numéro. Alors, est-ce qu'on part dans des calculs avec 3, 4, 5, 10 ou alors on fait comment? 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Ou alors avec le 10, c'est 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant placé. Ou alors 10, 13 et 6, 9 en 2 sur 4 ou 3, 4, 5 en 2 sur 4 pour le quintet. Voilà. Ça, c'est un déchiffrage comme ça facile pour le quintet. 10, 13 ou 6, 9 en simple gagnant placé pour le quintet. Ou 2 sur 4. Ou 3, 4, 5 en simple gagnant placé ou 2 sur 4 pour le quintet. Ça, c'est un déchiffrage seulement. Voilà, avec la valeur de la cote 3,7. Après, tu peux peaufiner ton. Voilà, tu peaufines ton pari. Hein. Soit tu fais plus 1, moins 1 quelque part, ou alors il y a 16 partants, donc 9 et 7, 16, 10 et 6, 16, 11 et 5, 16. Après, c'est égalé 13, le chiffre de la chance. Le 13, il est riche, là, il a 52 contre 1, mais je sais pas, les cotes, ils vont peut-être descendre ou baisser, j'en sais rien. Là, je remarque un truc, c'est avec le 16. Les numéros qui aiment bien se plaire avec le 16. On a 16 As, 6. Attends, 16 As, 6, 7, 11. Attends, As, 6, 7, 11, sinon. Ou sinon, les chiffres qui aiment bien se plaire. Si on a 10, 3,
3, 4, 5 avec seulement la cotation, le déchiffrage de la cotation. Si on a 10, 3, 4, 5, avec le 10, aime bien se plaire 10, 5, 13, 15 ou 10, 2, 13, 15. Ou alors, en simple 10, 2, 13, 15, 10, 5, 13, 15, ça se joue en 2 sur 4 couplets passés. Ou sinon, avec le 10, aime bien se plaire 10, 6, 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé. Et c'est de la PSF, j'aimerais bien faire une suite de chiffres avec de la PSF. Si j'ai 3, 4, 5, 10, la suite de chiffres, on pourrait faire comment? Ou alors on prend 8, 3, 5 avec ma combinaison mon TikTok là. On a 8, 3, 5 ou As-7, 4 en 2 sur 4. Ou 8, 3, 5 et As-7, 4. Mais qu'est-ce qu'on met avec? Ah, je verrais bien mon TikTok là, ma combinaison de TikTok là que j'ai mis en commentaire qui serait intéressante aujourd'hui pour le quintet. Comme ça serait un pari osé. Un pari osé, ça serait de retrouver ma combinaison que j'ai créée sur mes commentaires TikTok. Attends, je vais te la donner. J'ai une combinaison sur mon TikTok. J'ai As-7-4 ou 8-3-5. As-7-4, 15-9, 12-5. Ou 8-3-5, 15-9, 12-5. As-7-4, 15-9, 12-10. Ou 8-3-5, 15-9, 12-10. Tu vois? As-7-4, 15-9, 12-13. Ou 8-3-5, 15-9, 12-13. As-7-4, 15-9, As-2. Ou 8-3-5, 15-9, As-2. As-7-4, 15-9, 12-6. Ou 8-3-5, 15-9, 12-6. As-7-4, 15-6, As-2. Ou 8-3-5, 15-6, As-2. As-7-4, 15-14, As-2. Ou 8-3-5, 15-14, As-2. As-7-4, 15-14, 10-13. Ou 8-3-5, 15-14, 10-13. Ou alors on a As-7-4 et 8-3-5 avec 9 As-2. As-7-4 et 8-3-5 avec 14 As-2, 15. Voilà. Mais j'ai mis une combinaison en commentaire que j'aime bien. Qui me rapporte quand même. Elle a rapporté quand même pas mal de quintés depuis quelques mois là. C'est 8, 15, 9, 12, 5, 6, As-2. 8, 15, 9, 12, 5, 6, As-2. On a le 4 en favori aujourd'hui. Bon bah avec le 4, on peut remplacer le 4, le 15 par le 4. 5 moins 1, 4. Donc le 15 peut égaler 4 aussi. 5 moins 1, 4. Le 4. Si on a le 4. Si on a As-7-4, on fait As-7-4-3-5 ou on fait quoi? As-7-4-15-9-12-10. As-7-4-3-5, As-7-4-3-5-15-9-12. As-7-4-3-5, As-7-4-3-5-10-13. 14-10-13. Je sais pas. A7-4-3-5, A7-4-3-5, 9-12-6, je sais pas. Mais c'est sympa, mon TikTok il est sympa, mais faut que je le travaille. Bon, aujourd'hui les numéros intéressants pour le vendredi, c'est 4-5-6 pour le vendredi. Les numéros ou chiffres ou valeurs intéressantes. Et pour la saison, on a la combinaison, là pour cette saison-là. La combinaison As-6-2-7 pour déchiffrer les 45 courses proposées par PMU tous les jours. La combinaison As-6-2-7 en couplet gagnant placé, voire trio, voire 2 sur 4. Ou sinon, 3-4-5 en simple gagnant placé, voire 2 sur 4. Ou 10-13 et 6-9 en simple gagnant placé, voire 2 sur 4. Ou 15-9-12-5 en 2 sur 4 couplet placé. C'est pour la saison, pour déchiffrer les 45 courses. Voilà, tu as 4 combinaisons pour déchiffrer 45 courses jusqu'en août, là. Je te parle pas d'un déchiffrage du quintet. Le quintet, c'est un autre déchiffrage. Voilà. Le quintet, c'est un déchiffrage particulier. Mais pour la plupart des courses, aujourd'hui encore, voilà. Fais attention. La combinaison As-6-2-7, voilà. Ou les numéros 3-4-5, ou les numéros 10-13 et 6-9, ou la combinaison 15-9-12-5, voilà.
On a Cabourg, Pontchâteau, il y a 20 partants, 18 partants. Il y a beaucoup de risques aujourd'hui. Généralement, quand on reçoit la paye comme ça, on regarde un petit peu, là, ça a l'air compliqué. Mais justement, aujourd'hui, on est peut-être sur un raisonnement facile à retrouver les favoris dans beaucoup de courses. Voilà, tu regardes le numéro qui compose le favori. Par exemple, avec des courses avec beaucoup de partants, là, à 18 partants, il y a Pontchâteau, Réunion 2, course 4. Donc le favori, c'est quoi? Le 17. Réunion 2, course 4, le favori, c'est le 17. Donc on fait quoi? On fait avec le 17, on fait 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant placé. On fait quoi? On fait comment? Aujourd'hui, c'est soit les favoris, soit tu te fais baiser le jour de la paye. C'est soit les favoris qui arrivent, qui sont sympas ces journées-là dans beaucoup de courses. Il y a 45 courses proposées par PMU tous les jours. Quelquefois, c'est les favoris, voilà, qui sont. On dit que c'est compliqué. Quelquefois, on retrouve les favoris dans beaucoup de courses, en simple gagnant placé. Ou sinon, tu te fais baiser, c'est 10, 13 et 6, 9, en simple gagnant placé. Voilà. Mais par contre, on est emmerdé parce que ça tombe à vendredi. Donc le vendredi, faire attention, 4, 5, 6, tes numéros et valeurs intéressantes du vendredi. Voilà. Tu as un mode de déchiffrage d'obtenir l'année 20 et 24 de 2024. Tu as un mode de déchiffrage pour les numéros qui vont former l'arrivée peuvent égaler 20 et 24 2024. Il faut que tu prennes une confiance quelque part par des calculs. Tu prends une confiance quelque part, mais tu pars sur un mode de raisonnement avec quelque chose de familier. Tu vois, par exemple, le vendredi. Le truc familier du vendredi, c'est obtenir 4, 5, 6. Les chiffres aux valeurs du vendredi, c'est obtenir 4, 5, 6. Là, on est au début du mois. Quelque chose de familier, c'est de retrouver soit le favori gagnant dans beaucoup de courses, voilà, ou soit, appelle ça quelque chose de familier, ou appelle ça une étude, tu fais comme tu veux. Ou sinon, tu fais 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant placé parce que c'est des journées aussi, sinon, risquées à te faire baiser. Donc, voilà. Il faut, voilà. Ça, c'est des trucs de familier pour le vendredi, pour début du mois, là. Voilà. C'est des trucs qui sont familiers. Voilà. Tu pars sur un mode de raisonnement, voilà. Et après, tu essaies d'obtenir 20 et 24, l'année 2024. Tu essaies d'obtenir 13. Une fois que tu as un chiffre de familier, que tu as confiance, après tu essaies d'obtenir 13, ou tu essaies d'obtenir 20 et 24, ou tu essaies d'obtenir, par exemple, 17 en favori, tu dois obtenir par calcul 16, 17 et 18 par calcul. Tu as le 10 en favori, tu dois obtenir 9, 10, 11 par calcul. Tu comprends? Voilà. C'est des calculs que j'aime bien faire, je m'amuse à faire ça. Et il en ressortait des numéros qui aiment bien se plaire ensemble. C'est pour ça que j'en ai fait des combinaisons. Des combinaisons du 31 décembre au 15 août. Ou des combinaisons du 15 août au 31 décembre. Voilà. Ça paye mieux le A6 de 7, le As, le 2, le 6, le 7, paye mieux de 31 décembre au 15 août que du 15 août au 31 décembre, là c'est le 2, le 6, se plaisent mieux avec le 4. As 2, 6, 4. 5, 4, 3, As. Des combinaisons de août à décembre. Tu comprends? Après, je pense que ça va rester toujours pareil en 2024. Hein. Je pense que ça va rester toujours pareil là. Là, déjà, on repart avec un 6, 2, 7, tu sais, les numéros 3, 4, 5. Là, on repart depuis le 31 décembre. Là. On repart avec ça. Et ça va bien payer, hein. Jusqu'en août, ça paye bien, ça, généralement. A 6, 2, 7, la combinaison en couplet gagnant placé, ou 2 sur 4, ou trio, voire multi, mais bon, faut que ça soit. Les codes soient bien proposés non plus. Aussi, quoi. Sinon, 3, 4, 5 en simple gagnant placé, ou 2 sur 4, ou 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant placé, ou 2 sur 4, ou 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. OK? C'est toujours pareil, ça revient tout le temps. L'hippodrome, il tourne en rond. La force, les chevaux tournent en rond toujours. Donc, ça revient toujours pareil. Des combinaisons qui forment les arrivées,
ils tourneront aussi. La combinaison 6-2-7 qui est venue l'année dernière, de janvier à août, va revenir cette année. Les numéros 3, 4, 5, sinon pour déchiffrer les courses, en 2 sur 4 couplés placés, simple gagnant placé, vont revenir cette année. Tu vois ce que je veux dire? Ça tourneront aussi. Les 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant placé, de janvier à août, vont mieux se plaire que de août à décembre. À 6, 2, 7, c'est pareil. 3, 4, 5 aussi. Et 15, 9, 12, 5 aussi. Et de août à décembre, on a plus l'accent sur, pour déchiffrer les 45 courses tous les jours, avec A6, 2, 4, 5, 4, 3, enfin, ça paye mieux. C'est pas qu'on a l'accent, c'est que ça paye mieux avec A6, 2, 4, 5, 4, 3, 8, 3, 7, 9, 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. Allez, bisous, bisous, il n'y a personne là. Allez, bisous.